Kayo asambwa nyoso ekangalaka na yo ya mabe Yesu alongola ngona nzela na liteya oyo nyoso yo zanga ya malamu oya la kabana na ye akabela yo apesa akokisela yo a travers liteya atongola lelo a utilisé puissamment mosali na ye to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Oui Seigneur yo to lobaki voilà pourquoi Ponanga Yahweh, tika ete liloba oyo elongola nyonso ya mbindo pe ya salite oyo sezo kokoba kuhumelaka kati na bomo inangai pe ebakisela ngai ya malamu oyo kino wana ekokisa mina onte na kati na bomo inangai ezala pona libiki ezala pona lobiko na ekeke oyo ata pona ekeke ezali koya yango bomo inaseko salela ngai Yahweh bolamu na yo utilize mongu mosali na yo puisama na kombo na yo kolo amen. 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 Tobete la nano lilo balanzambe maboko makasi maboko maboko. Oui. Tobete misi mosakoli elongo na mobongo likota ponatina na koya kwa Rosé elanga na kolo. Karibu. Jésus-Christ ezara na moko na moko. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Yesu vraiment pambola yo mingi. Amen. Jésus-Christ te bénisse abondamment. To ebike nzambe nde apesi biso mokolo ya le 26 septembre 2021. Nous savons très bien que c'est le Seigneur qui nous a accordé ce temps du 26 septembre 2021. Pona lokumu na kombo na ye. Pour la gloire de son Saint-Nom. Et tous ali très reconnaissants parce que Nzambe asalaka yango pona kopambola biso. Et nous en sommes infiniment reconnaissants car Dieu fait cela pour nous bénir. Et il faut croire que tango koti na ndako ya Nzambe oye kozwa solution. Il faut que tu croies que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens pour avoir ta solution. Que le Seigneur a bongela sala bolamu vraiment pas ya pasteur Seba. Que le Seigneur vraiment fasse du bien de la part du pasteur Seba. Amen. Particularité na trouvé na katina ezali kazana posa ya ko servir vraiment le Seigneur. C'est bon. Ce que j'ai trouvé comme la particularité, c'est qu'en lui, il a vraiment la soif de servir le Seigneur. Et cela est bon. Il n'aime pas perdre le talent que le Seigneur a déposé en lui. Et vous sentez que tant que vous avez une particularité, vous avez la puissance de Dieu. Et vous sentirez que quand il chante, la particularité dont il a, c'est vraiment la puissance de Dieu. Et tant que vous avez exhorté, vous avez comme ma paix, mon thème, ils ont bien dans la boule en Zambé. Et lorsqu'il exhorte, vous sentez qu'il attire vraiment votre cœur vers Dieu. Et c'est ce que nous voulons pour la bisonion son Zambé à Sala, l'Olingé ou en Apérissus. C'est ce que nous désirons que Dieu fasse cela à chacun de nous. Parce que ce qui délivre, c'est la puissance. Et ça sort et avoite. Ce qui délivre en réalité, c'est la puissance. Ce n'est pas la qualité ou la sorte de la voix. Un chantre, c'est la communion avec Dieu. Ce qu'un chantre doit chercher au préalable, c'est cette communion-là avec Dieu. Il faut pas trouver dans la catégorie. Il faut en réalité qu'on trouve dans cette personne de chantre le respect du culte.
ce qui m'ont va respecter d'abord culte te c'est qu'il peut honorer Dieu te. Donc si quelqu'un ne respecte pas les cultes, il n'honore non plus Dieu. Parce qu'il faut y aller le chemin ni n'yango côté. Car tu dois connaître très bien le chemin par lequel tu as emprunté. Acte opposé copé sa taille na yo âge na yo. L'acte dont tu poseras donnera en réalité ta taille ou ton âge. Et votari sa ke okoli ou biozana no bébé. Cela va identifier réellement que tu as grandi ou soit tu es encore bébé. Il faut pas aider au ming. Ou soit il faut qu'on t'aide vraiment énormément. Les songi zaka kaipa na zambé. Et le soutien se trouve toujours auprès de Dieu. Et tous allez kotanga texte na biso ya Apocalypse 6 le verset 1er et 2e. Et nous sommes toko sala par la grâce de Dieu et que toko kako aussi les anambolans en be premier so pour semaine ce temps toujours banda yango boye lobi toko ta na 2e so par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous ferons de sorte que nous puissions finir le premier saut et demain, par la grâce de Dieu, que nous puissions introduire directement le deuxième saut. Tout est la grâce de Dieu. Amen. Tout est la grâce de Dieu. Nous ne savons pas prêcher. Nous nous confions toujours en Dieu, celui qui est le vrai prédicateur. Et ton demi que comme à l'obaki a kotika biso ban étiqueté à kozarana biso. Et nous croyons effectivement que lorsqu'il avait fait la promesse que, qu'il ne nous laissera pas orphelins, vraiment il est avec nous. Et nous croyons ainsi. Mon témoin a besoin de moi vraiment. Notre cœur vraiment croit à cela. Et au Tangi, Apocalypse 6, verset 1 à 2. Nous lisons Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 2. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et j'ai regardé et voici Paris un cheval blanc. Celui qui est monté avait un arc. Une couronne lui fit donner. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Que Dieu bénisse cette lecture par sa grâce. Nous pouvons nous rasseoir. Et les portion aujourd'hui nous sommes sur la portion sur laquelle nous sommes en train de parler. Nous allons faire une petite marche en arrière sur une couronne lui fit donner. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. C'est avec cela que nous allons pouvoir marcher aujourd'hui. Que le Seigneur a facilité biso topo akotia ba poto malam ya signalisation et enseignement oyo. Que le Seigneur nous facilite vraiment afin que nous puissions bien dresser les poteaux de ces signalisations. Natina été et quoi pour faciliter ou comprendre par la grâce de Dieu. De sorte que cela puisse te faciliter par la grâce de Dieu. D'abord, nous croyons. D'abord, nous croyons que ma belle oyo zambe a pesa ki Abraham, que la terre que Dieu avait donnée à Abraham na kozala boizala ki mabele ya nzoto oyo Israël azali. Physiquement comme ça c'était vraiment une terre terrestre sur laquelle se trouvait Israël, mais zala ki elembo ezalaki kolobela na Seigneur Jésus-Christ oyo azali repos. Mais cela était juste ainsi qui parlait du Seigneur Jésus-Christ qui est le repos. Nous prenons cela dans Hébreux chapitre 4. Si tu observes dans le verset 3e, ce verset-là dit que nous qui croyons, nous sommes rentrés dans ces repos-là. C'est ce que Dieu montre. Et
na katia mabele wana. Lorsque tu rentres dans cette terre, oko remarquer que oko kutana na bitumba. Tu vas remarquer que tu rencontreras des combats là-bas. Et loko mususu tozo bakisizani. Une autre chose que nous ajoutons, c'est quoi? Na mabele wana mwasi e komba kozala te. Dans cette terre-là, il n'y aura pas une femme stérile. Moi, si à cause au passé, mi à cause à la bête. Non plus celle qui avorte. L'écriture Nango Eza, Exode 23, verset 26. L'écriture qui parle de cela, c'est dans Exode chapitre 23, au verset 26e. Et Deutéronome 7, au verset 14. Même Deutéronome chapitre 7, au verset 14e. Par là, tous allez comprendre, Boye. Et par là, nous comprenons comme ça. Ba oyo ba koti mabele wana te ba kuiko zala ikumba. Ceux-là qui n'ont pas encore pénétré cette terre-là peuvent être stériles. Ba kuiko sopaze. Peuvent également avorter. Israël azala ki lié na langage physique. Israël était lié à un langage physique. Et pas à Israël azala ki vraiment mwasi, mwasi boy. Chez Israël, en réalité, c'était une femme physique. C'était vraiment une femme physique. Mais aujourd'hui, nous allons Ephésiens 5 à partir du verset 22e, tiens, verset 33e. Nous prenons Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 22e jusqu'au verset 33e. Basons comparer moi si boye na église. On compare la femme comme ça à l'église. Et mon bali de Christ. Et le mari c'est Christ. Donc nous allons sur la malam. Et par là, nous comprenons bien que ce qui est le moment que vous allez dans la Bible, où ils allent colobela, moi si na Jésus, où ils allent Église, que s'il y a un signe dans la Bible qui parle de l'épouse qui est la femme de Christ de l'Église, et qu'Otali sayango pe lo lenge moi si azanazem, cela montrera en réalité que la femme est aussi enceinte. Déjà Hébreux 4 verset 3. Nous venons déjà de prendre Hébreux chapitre 4 au verset 3e. Oui, le bon abisso oyo tondimi to koti na bopemiwa. Qui dit que nous qui croyons déjà nous avons déjà nous sommes déjà sur cette terre là. Et mabele wana aujourd'hui zande Jésus-Christ la parole. Cette terre là en réalité aujourd'hui c'est Jésus-Christ qui est la parole. Or Israël a boi parole. Et Israël avait rejeté la parole. Tango na zolo bawana na lubite ke soki lelo uzobotana nute ke okotina no na mabela bopemite zande ngwana te. Quand je parle ainsi, ce n'est pas dire que je suis en train de te parler que si tu n'as pas encore donné naissance à des enfants, c'est que tu n'es pas encore rentré dans cette terre là. Bona yo ndima écriture ko ezali na Psaume 113. Pour toi, tu dois croire à l'écriture qui se trouve dans Psaume 113. Il donne la maison na oyazanga ki azala ki stérile. Qui dit que il donne la maison à celle qui est stérile? Parce que la maison veut dire fils. Amen. Et moi Nathalie Saka nda. L'enfant parle du fils. Le dit même la stérile azali ko enfanter 7 fois. Il dit que même la stérile peut enfanter 7 fois. Na deux derniers versets il y a Psaume 113. Aux deux derniers versets de Psaume 113. Là, il faut monter Manuel croire que au Kubota. Là, ton cœur doit effectivement croire que tu donneras naissance. Mais tous autres d'abord na Israël les ala qui moi si aboyé. Nous faisons d'abord voir qu'en Israël c'était d'abord une femme physique. Mais les ala qui élimbo les autres ça Église. Et cela était un signe qui parlait de l'Église. Yango. Toujours soit écriture, toujours pour la colombelle à moi si à l'église. Voilà pourquoi nous prenons l'écriture qui parle de l'église comme étant la femme. Dans Jean 16, aux huit à partir, il y a verset 22e. Dans Jean chapitre 16, et nous prenons à partir du verset 22. Et même au bandit avait pris le verset 20, qui était le verset 24e. Même si tu prenais cela à partir du verset 20e jusqu'au verset 24e. Na écriture wana na Jean 16 Jésus azotalisa lolenge oyoyo Église ekobike la bapasi na mabele. Dans cette écriture de Jean chapitre 16, Christ est en train de faire voir la manière dont l'Église passera des tribulations sur la terre.
répandait à partir du verset 21 à verset 24. À partir du verset 21 jusqu'au verset même 24e. Maintenant, pour nous rassurer l'église, et les mbonayango, ils allaient qui par Pierre, par Jean, par Jacques. Maintenant, pour rassurer l'église, les signes de cela étaient des Pierre, des Jean, des Jacques. À ABC Bango, il leur a dit Bokolela, que vous pleurerez. Bokokutanana makamba makasi. Et vous vous rencontrerez à des choses très difficiles. De alobi, eza lokola mwasi. Maintenant, il est comparé à une femme. Tango wazana zemi akomi na l'air na ye ya kobota. Lorsque elle est enceinte et qu'elle atteignait vraiment le temps de donner naissance, aye bakana kati na ye ke oyo vraiment tango nanga iye. Elle sait vraiment en elle que ça c'est vraiment le moment où je dois enfanter. Ako passe douleur d'enfantement. Donc elle passera des douleurs d'enfantement. Mais tango apesi naissance à fils. Et lorsqu'elle donnera naissance au fils, elle oubliera toutes ces douleurs-là. Pour un fils, la vie est dans le monde. Parce que elle a donné la vie à un fils dans le monde. Maintenant, tant que Jésus a le bindengwana aïd, continuez maintenant dans verset 23, dans 24. Maintenant, quand Jésus disait cela, il a continué au verset 23, 24. Il a dit aux disciples que vous également vous passerez des tribulations, mais vous vous réjouirez après. Après, vous vous réjouirez. C'est ça la prophétie dont les psaumes nous parlent dans le chapitre 126. Les psalmistes nous parlent. Au verset 5 et 6. Que celui qui sème en gémissant. Et à quoi pour récolter gerbe, prémisse avec la joie. Il viendra maintenant récolter la gerbe et le prémisse avec joie. Nathan Oyo, Eza, au passé souffrance. En ces temps, nous passons les temps des souffrances. Parce que manière n'abiso ya kota la Eza, loko la monde te. Car notre manière de voir n'est pas comme celle du monde. Il y a vraiment une distinction avec celle du monde. Quelque part où le monde appellera une chose bien, nous nous l'appelons mal. C'est ce que Moïse avait dit à Pharaon. C'est ce que Moïse avait dit à Pharaon. Dans Exode 8. Dans Exode chapitre 8. À partir du verset 20 à 24. À partir du verset 20 à 24. Quand Moïse a l'obagi kezamba le bi libérer le peuple pour notre adoration. Alors, lorsque Moïse avait dit à Pharaon que libère le peuple afin que nous allions l'adorer dans les déserts. Pharaon a zongi sera qui est. Et Pharaon lui avait répliqué. Ô adorer kakana pays. Que vous adorerez dans les pays. Et Moïse a dit qui est que ceux qui t'ont adoré dans le pays. Adoration n'a pas été abominable pour les Égyptiens. Et Moïse avait dit à Pharaon que si nous adorons dans l'Égypte, notre adoration sera une abomination aux faces des Égyptiens. Les Égyptiens ne nous lapideront-ils pas? Voilà pourquoi il avait dit qu'est-ce que, face à notre adoration, les Égyptiens ne nous lapideront-ils pas? Mais il faut qu'ils ne soient adorés dans le désert. Voilà pourquoi il insista à Pharaon que nous irons adorer dans le désert. Moïse a dit que adoration na bango ba juif. Moïse avait fait voir à Pharaon que leur adoration avec les juifs et que c'est na oya égyptiens était différente d'avec celle des égyptiens. Lelo l'Égypte c'est le monde. Aujourd'hui l'Égypte parle aussi du monde. Mais yo za comme le véritable juif aujourd'hui dans l'esprit. Et toi tu es comme le véritable juif en esprit. Vous allez adorer et qu'essayer avec les gens du monde. La manière dont tu adores est différente de l'adoration du monde. On pourra te mépriser de toute façon. C'est en ce moment-là que la souffrance et la tribulation s'engendrent. Mais nous avons la promesse que nous les verrons comme on a le Seigneur. Amen. Faut nakatiango comprendre. Il faut que dans cela que tu comprennes que la femme aujourd'hui a présenté comme l'église comme enceinte. Aujourd'hui la femme est présentée comme l'église qui est enceinte. Parce qu'elle a la terre et la promesse. Car elle se trouve dans la terre des promesses. Et Apocalypse 12. Et dans Apocalypse chapitre 12. Le verset premier. Au verset premier. Et d'Alice Bisson un grand signe.
et apparaître dans le ciel. Nous fait voir qu'un grand signe était apparu dans le ciel. Et ça grand pourquoi? Cela est grand pourquoi? Parce que Colossiens chapitre 1er, le dit qu'il y a un grand mystère. Parce que dans Colossiens chapitre 1er, il est écrit qu'il y a un grand mystère. C'est Dieu dans l'homme aujourd'hui. Donc ce mystère-là, c'est Dieu dans l'homme. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est un grand signe. Amen. Dieu n'habitait pas dans un homme. Dans des hommes, non. Aujourd'hui, dans cette alliance de grâce, il est venu habiter en nous. C'est pourquoi Pierre a zolobana un Pierre, et même les anges bazo désirer pour plonger les regards. C'est pourquoi l'apôtre Pierre parle dans un Pierre un que même les anges contemplent cette grâce-là. Bazo ngabata la grandeur et enseignement où ils allaient annoncer la rédemption. Ils aiment vraiment observer l'enseignement qui est dispensé de la rédemption. Contempler. Parce que ça si merveilleux. Parce que cela est vraiment si merveilleux. Et parce que ange a yebi très bien que tant ndamu na bango ba kweisama qui ensemble avec Satan. Car l'ange avait su que lorsqu'une partie d'ange était tombée avec Satan, Nzambe a bongi sa rédemption pour na bango te. Que Dieu n'avait pas prévu pour eux la rédemption. Mais tant Adam oui. Mais une fois que Adam était tombé, Dieu a sali programme à rédemption. Dieu avait établi tout un programme de la rédemption. C'est pourquoi les anges ont plongé les regards pour battre à cet enseignement. C'est ainsi que les anges plongent leurs regards pour voir la rédemption là. Gloire et enseignement aux deux en ayant. Ils sont en train de contempler la gloire de l'enseignement que nous possédons. Mais tous au monde maintenant. Apocalypse 12. Et nous voyons maintenant en Apocalypse chapitre 12 une femme enceinte. Amen. Une femme enceinte, cela veut dire qu'elle est dans la terre de promesse. On t'avait déjà dit que si tu voyais une femme enceinte, c'est qu'elle est déjà dans une terre de promesse. Donc l'élo biso nous est enceinte. C'est-à-dire aujourd'hui nous nous sommes enceintes. Oui, azali na kati na biso c'est Christ Jésus. Et la grossesse qui est en nous c'est Christ Jésus. Mais l'eau faut ici Isaac. Mais la chose dont tu dois saisir, c'est que la femme a la timoï, aza enveloppée du soleil. Amen. La femme est enveloppée du soleil. Aza na couronne ya 12 étoiles, c'est l'enseignement. Et là, la couronne des 12 étoiles qui parle de l'enseignement. L'enseignement des apôtres. Cet enseignement des apôtres. Mais ma colonnaie et n'y a-t-il la ligne. Et donc, elle a la plante de ses pieds sur la ligne. Donc, or Josué chapitre 1er, verset 3e. Et dans Josué chapitre 1er au verset 3e, Elobi esika otie matambe na yo. Dit que là que la plante de ton pied foulera, ezali libula na yo et pesameli yo. Donc cela t'est donné. Place wana libula ya mwasi ezande line. À cette place là, l'héritage de la femme c'est ça la line. Parce que la line ezala comparable aussi na mabele. Car la lune est comparable aussi à la terre. Que Dieu bénisse. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu y vis que apparaître dans le ciel. D'abord, nous voyons que la femme est apparue dans le ciel. Cela veut dire ça, spirituel. C'est-à-dire, elle est spirituelle. Et ensuite, Balobi, signe monsieur apparaître. Et ensuite, on dira qu'un autre signe, apparu. Mais signe, on a ça, dragon. Et ce signe-là, c'était le dragon. Un autre signe parut encore dans le ciel, verset 3e. Apocalypse 12. Na bani même, na verset 1er, na verset 3e. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Na 1er, na 3e. Un grand signe parut dans le ciel. Et le moment comme on est, mon anaki na likolo. Une femme enveloppée du soleil. Et la ligne sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Azalaki na kati ya mosala pe na kati ya pasi ya kobota. Oyo, tu viens de Jean 16.
Cela, nous l'avions vu déjà dans Jean chapitre 16. Na compara que l'église comme moi si azan a passé à Kobota. Jésus est mon colombe qui a mon boy. Jésus seul avait comparé l'église comme étant une femme enceinte et dans les douleurs d'enfantement. Les lois Israël azan a payé, payé na l'olengi est Christ, ayam aboyi Christ. Aujourd'hui, Israël n'est pas dans le pays à la manière de Christ car il avait rejeté. Cela veut dire Israël aujourd'hui est dans sa femme stérile. C'est-à-dire aujourd'hui, Israël, c'est comme la femme qui est stérile. Aza femme a avorté. Il est comme la femme qui avorte. Parce qu'à côté pays. Parce qu'il n'est pas entré dans le pays. C'est Hébreux 4. Pays est à l'issue des bisous ton côté. C'est Hébreux 4. Jésus-Christ. C'est Hébreux 4 qui en parle que c'est nous qui rentrons dans ce pays qui est Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse. Amen. Alors, tant qu'on commence le verset 3e. Lorsque nous atteignons le verset 3e. Il y a Apocalypse 12. L'Apocalypse 12. Un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Pourquoi paraître en forme de dragon? Pourquoi il est apparu dans une forme de dragon? Parce qu'il faut que l'ennemi azwakaba forme ni on se voit apparaître comme les eaux. Parce qu'il faut savoir que l'ennemi prend toutes les formes, il peut prendre aussi la forme des eaux. C'est comme Esaïe 59, verset 19e. C'est comme aussi les paroles dans Esaïe 59, au verset 19e. Alors bien, l'ennemi viendra comme un fleuve. Il est écrit que l'ennemi viendra comme un fleuve. Agogi Goya aussi comme un dragon. Il peut aussi prendre la forme du dragon. Parce que c'est un esprit à cause de la forme, bélé. Étant esprit, il peut prendre plusieurs formes. Agogi paraître aussi comme un bélier. Il peut apparaître aussi comme un bélier. Il peut apparaître comme un bouc. Il peut apparaître aussi comme un bouc. Voilà dans Daniel chapitre 8. Là, c'est dans Daniel chapitre 8. Il peut apparaître aussi comme un lion. Il peut prendre aussi la forme du lion. Voilà dans Daniel 7. Là, c'est dans Daniel chapitre 7. Il peut apparaître comme un lion. Il peut apparaître comme un lion. Comme un ours. Comme aussi un ours. Comme un léopard. Amen. Apparaître aussi à Sangisi Banyamanyon Sondom. Apparaît sa canapa forme et bien parce que c'est un esprit. Donc il peut apparaître en prenant toutes les formes de ces animaux là, car c'est un esprit qui peut prendre toutes ces formes. C'est pourquoi nous parlons comme ça. Il ne faut pas que quand tu vois seulement un chat, c'est un démon déjà. Tu es très concentré pour combattre un miaou. Et tu te concentres beaucoup pour combattre les chats. Le démon. Car tu penses que c'est un démon. Alors. Tu peux avoir quelqu'un dans ta maison qui est un démon, mais tu ne fais pas cas de lui. Mais tu regardes seulement les chats que tu traites des démons. Quand tu sens seulement les chats miauler, directement, c'est un démon. Le diable ne prend pas seulement une seule forme. Il peut prendre la forme d'un ami avec lequel vous avez des habitudes qui vient d'exister à la maison. Il vient car vous vous connaissez très bien à la maison. Mais c'est le diable qui incarné. Mais c'est le diable qui l'incarne. Ce qui est utile pour nous, ce qui est important pour toi et moi, demander à Dieu le discernement. Amen. Il faut demander à Dieu le discernement. Exactement. C'est pas dire que tu t'attends que le diable viendra dans cette forme-là. Non. Mais ta oiseau apparaître comme dragon. Et quand tu l'apparais comme les dragons, Jérémie a annoncé d'abord pour te continuer lecture encore. Jérémie annonce cela, nous allons continuer avec ces versets d'Apocalypse 12. Ce qui est au Tangi, Jérémie 51, verset 34. Si nous lisons le chapitre 51 de Jérémie, au verset 34e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, après nous en Apocalypse 12. Amen. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Nabucadnezzar, nous conseillons à Babylone, allez à Kingaï. Nous en avons verset 34e, il y a Jérémie 51. Il m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux et il m'a chassé.
ya tondi saki libumunae na masonga na zaraki na angolo kola ya motuya pe abenga na kingai. Donc tant que Jérémie a zomo na prophétie, lorsque Jérémie voyait cette prophétie, a zomo na un homme Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il voyait un homme qui était Nebuchadnezzar, roi de la Babylone. Ayaki koboto la bilo konyoso ya motuya we zaraki na katina. Il était venu prendre chez Israël des choses précieuses qui se trouvaient en Israël. Et Israël a compris cela que c'était le dragon qui a effectué ce travail. Quand le dragon se présente, lorsque le dragon se présente, il a besoin de prendre ce qui est précieux en toi et partir avec. Et lorsque nous retournons dans Apocalypse chapitre 12, apparaître comme un dragon, il est apparu comme le dragon. Amen. Il avait besoin de l'enfant qui se trouvait dans le vase appelé la femme. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'il n'avait pas pu arracher l'enfant. Voilà pourquoi nous avions dit que même Pharaon, après que la Pâque eut passé, l'agneau a été sacrifié. Et que l'agneau fut sacrifié, même si Pharaon était monté sur le cheval pour désirer poursuivre Israël, afin de retourner Israël sous son esclavage, il n'avait pas atteint même un bébé d'Israël. Il n'avait non plus attrapé même un vieillard qui marche petit à petit, mais lui était sur le cheval. C'est parce que l'agneau de Dieu s'en a écopé sa la force. C'était parce que l'agneau de Dieu accordait à Israël la force. Et protégeait qui Israël. Et protégeait Israël. C'est actuellement tant que nous sommes en arbre. C'est ce que nous voyons ici. Nous croyons que la femme a présenté après le sacrifice de l'agneau. Nous croyons effectivement que la femme est présentée après le sacrifice de l'agneau. Parce que le véritable agneau dans Jean chapitre 1er, verset 36e. Parce que le véritable agneau dans Jean chapitre 1er, au verset 36e. Même dans verset 29e. Même au verset 29, Jean chapitre 1er, toujours de Jean chapitre 1er, voici l'agneau de Dieu. Là, on nous démontre que voici l'agneau de qui Dieu. Qui ôte le péché du monde. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Le colaïa s'est sacrifié à qui? Comme lui s'était sacrifié. Les richesses, bamo bengo oyoyo. Moi, c'est Azana Ango. Les richesses que possède la femme. L'ennemi ne saura jamais lui arracher cela. C'est ce que nous voyons dans le verset 3. Un autre signe parit encore dans les cieux. Apocalypse 12. Toujours dans Apocalypse 12. Et voici un dragon rouge feu. Tala dalagona to elima ya motane. Donc total ici, pourquoi soit présenté comme dragon, c'est qu'on a besoin de. Nous avions montré que pourquoi il est présenté comme étant le dragon, c'est parce qu'il avait besoin de prendre la richesse qui est le fils qui était dans la femme. On a vu cela dans Jérémie 51, verset 34. Au verset 34 de Jérémie 51. Tout continue, on a verset 3e. Ayant sept têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, sept diadèmes. Donc, toujours un dragon a zoya kobundisa la femme. Donc, nous voyons les dragons venir combattre la femme. Mais Bible ça dit son mention. Mais la Bible nous fait la mention que combat wana. Que ce combat là a zoya avec sept têtes et 10 cornes. Il venait avec sept têtes et 10 cornes. Ce qui est aussi définition, il y a sept têtes, aussi définition, il y a 10 cornes. Si nous prenons la définition de sept têtes ainsi que des 10 cornes, dans Apocalypse 17, dans Apocalypse chapitre 17, l'Écriture et le Bible, l'Écriture nous dit ceci, les versets 9 et 10, oui. Parce que foyer baquer la bête. Parce qu'il faut que tu saches que la bête aza comme un vase où le dragon ya yoko fan. Il est comme, elle est plutôt comme un vase où le dragon vient faire son siège. Donc, ils ont tout un corps où le diable a utilisé une puissance.
Donc la bête, c'est tout un corps, c'est toute une puissance que le diable utilise. C'est comme Nathalie Sakibino que le Seigneur a utilisé la puissante nation Abengango comme un serpent. C'est comme je vous avais dit que donc le diable utilise la puissante nation qu'on appelle le serpent. Égypte, les Araki serpents sont dans. Par exemple, l'Égypte était les serpents sont dans. Après l'Égypte, c'est Assyrie qui s'est levée qui a été serpent. Après l'Égypte, c'est la Syrie qui s'était levée comme étant les serpents aussi. Après la Syrie, c'est Babylone où tout autant qui a présenté Rouanaye comme dragon. Après la Syrie, c'est la Babylone que nous venons de lire qu'on nous montre comme étant les dragons. Après Babylone, les alliés Médo-Perses. Après la Babylone, maintenant c'est le royaume des Médo-Perses. Après Rouanaye, la Grèce. Après la Médo-Perse, c'est la Grèce maintenant. Et après Rouanaye, Rome. Après, c'est Rome maintenant. Ils ont d'abord la Rome, où ils ont dit comme il y a l'État. Il y a d'abord la Rome politique. Mais après, ils ont une bête à tomber qui est dans le verset 11e et Apocalypse 13. Après cela, il y a une autre bête qui s'est élevée dans le verset 11e d'Apocalypse 13. C'est Rome papale. C'est Rome papale. Ah. La Katinaïe, il y a aussi la puissance où il peut s'améliorer les États-Unis d'Amérique. En elle, il y a aussi la puissance qui lui est donnée, c'est l'États-Unis d'Amérique. Donc, corne moko ezawana, ezotale sa puissance politique. Donc, une corne qui est sur cette bête parle d'une puissance politique. Oezali, dans le verset 11e et Apocalypse 13. Qui est dans le verset 11e d'Apocalypse 13. Maintenant, toujours tanga awa pour la bête. Maintenant, ici, nous lisons pour ce qui concerne la bête. Okomona kendenge va présenter dragon. Tu verras la manière dont on a présenté les dragons. 7 têtes et 10 cornes. Qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et ça, textuellement, il va présenter la bête. C'est textuellement la manière dont on présente la bête. Nathalie Sakibino, qui est ma bête, est telle sa nation. Je vous avais montré l'autre fois que le bête, en réalité, parle des nations. Vous venez de dire, le Congo, Azagana signe, c'est léopard. Tu prends par exemple aujourd'hui. Le pays qui est Congo a son signe, son symbole comme étant les léopards. Congo yangambo weza Brazzaville. Le Congo de l'autre côté qui est Brazzaville. A changé qui signe na ye maintenant comme signe éléphant local aussi Côte d'Ivoire. Avait changé son totem, c'est devenu l'éléphant comme les totems. Mais Côte d'Ivoire s'appelle éléphant. Comme également la Côte d'Ivoire c'est toujours aujourd'hui Libéria. Tu vois par exemple les fourmis. Et là aussi son totem c'est la fourmi. Maroc. Tu prends la Maroc. Azana signe na ye lion. Son signe ou totem c'est les lions. Aujourd'hui France azana signe na ye coq. Tu prends la France, son signe ou totem c'est la aujourd'hui États-Unis d'Amérique azana signe na ye aigle. Tu prends les États-Unis d'Amérique, les totems c'est l'aigle. Local à Nigeria. Comme aussi Nigeria. Cameroun aussi Azania. Cameroun également c'est les lions. Aujourd'hui, Angola c'est la palanca negra, donc girafe noire. Tu prends l'Angola, c'est la girafe noire. Donc chaque pays a un signe animal pour et contredire l'écriture. C'est pour dire que chaque pays a le totem d'un animal pour ne pas contredire les écritures. Mais parmi les animaux que Dieu a créés dans les champs, il y a toujours le serpent qui est le plus risé. Amen. Donc, il faut toujours un animal ou ça élevé, donc présenté comme serpent. Donc, parmi tous les animaux, il faut qu'il y ait toujours une bête qui sera la plus élevée, qui est identifiée comme le serpent. Parce que Yangonde Tokotara Ao. C'est ce que nous verrons ici. Mais tout ça d'abord, 7 têtes et 10 cornes selon l'explication et l'écriture. Nous prenons d'abord les 7 têtes et 10 cornes d'après l'explication des écritures. Tosui, verset 9e, il y a Apocalypse 17. Nous prenons le verset 9 d'Apocalypse 17. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Le verset 10. Toujours Apocalypse 17. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. C'est-à-dire, quand Jean recevait ce message, Jean était dans l'île de Patmos.
Lorsque Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos, la prophétie à livre Apocalypse. Il recevait la prophétie du livre d'Apocalypse. Cinq rois sont tombés. On lui a dit que cinq rois sont déjà tombés. Cinq rois. Ces cinq rois. Ils allaient cinq puissantes nations. Ils allaient qui avant. Ce sont les cinq puissantes nations qui lui ont précédé. Parce que dans le temps, on a. Parce qu'en ce temps-là, Rome dirigeait la terre. C'était la Rome qui dirigeait toute la terre. On a vu même dans le pays d'Israël. On a vu cela même dans la terre d'Israël. Lorsque Marie était enceinte, roi yaba romain, le roi des Romains, César Auguste. César Auguste. Il avait donné un édit pour qu'il y ait un recensement sur toute la terre. Quand tu liras Luc chapitre 2 à partir du verset 1er, tu verras ça. Et même toute la terre avait obéi l'ordre de la Rome. Même en Israël. Même en Israël. Il y a un monde qui que Joseph a eu Marie. C'est ce qui avait fait en sorte que Joseph prenne Marie. Azonga na mboka na bango na Bethléem pour le recensement. Qu'il retourne avec elle dans leur terre Bethléem pour le recensement. Mais Dieu avait un plan aussi là. Dieu aussi avait un plan là dans cette affaire. Pour enfin que Michée 5 s'accomplisse. Pour qu'il y ait l'accomplissement de Michée chapitre 5. Le verset premier que les rois connaîtra à Bethléem. Au verset premier qui dit que le roi naîtra à Bethléem. Mais Nathalie, c'est que c'est Rome qui dirigeait. Et je vous ai fait voir en réalité que c'est Rome qui dirigeait. Il y a une puissante nation en temps. Et en cette période-là, c'est elle qui était la puissante nation. Il y a une nation qui gouvernait politique à Mabélé. C'est elle qui gouvernait toute la politique de la terre. Et Nathanaïe, avant Yahya, ils en ont cinq rois qui sont tombés. Avant que lui ne vienne, il y avait déjà cinq rois qui étaient déjà tombés. Cinq rois, on les a comme des royaumes. Ces cinq rois-là plutôt sont comme des royaumes. C'est-à-dire des royaumes. Ils ont Égypte. Il y a l'Égypte, premièrement. Après Égypte, Assyrie. Deuxièmement, la Syrie. Après Assyrie, Babylone. Troisièmement, la Babylone. Après Babylone, Médo-Perse, c'est ça qui est royaume Moko. Quatrièmement, c'était un même royaume, mais qui était lié en deux et qui régnait. Après Médo-Perse, Grèce. Après Médo-Perse, c'est la Grèce. C'est ça, cinq rois, Bazolo Banatan, Wanagesi, Bakei, Baleki. Ce sont les cinq rois dont on parle qu'en ce temps-là, ils étaient déjà passés. Maintenant, sixième, ils ont des Rome. Maintenant, le sixième royaume, c'est Rome. Oyo, tant que l'apôtre Bazali, Rome, nous avons dirigé Mabélé. C'était pendant l'existence des apôtres que Rome dirigeait la terre. C'est ce qu'il parle ici. L'ange Azolobao. Et l'ange qui parlait ici. Cinq sont tombés. Au verset 10e toujours. Au verset 10e d'Apocalypse, toujours 17. Apocalypse 17, verset 10e. Cinq sont tombés. Apocalypse 17, le verset 10e. Cinq sont tombés. Un existe. Moko azanano. Donc l'air Jean Zouzou Apocalypse, bénéficié, na l'air roi Moko azali. Donc le temps que Jean recevait les messages, qu'on parlait de Angleterre, banane, nyonso comme na katampi romain. Réunissez en soi les France, les Angleterre, tous ces pays-là dans la terre du pays romain. Mais Apocalypse 13 est le bas qui est l'une de ses têtes qui a bête, il faut la blesser. Apocalypse chapitre 13 avait dit qu'il fallait que l'une de ses têtes soit blessée. Donc, blessure, on a dit que le royaume est panzana. Cette blessure parle du royaume, de la manière dont le royaume était dispersé. Donc, chaque portion est commis république. Et chaque portion qui composait ces royaumes-là était devenue république. Mais après leur dispersion, selon la prophétie d'Apocalypse 13, d'après la prophétie d'Apocalypse 13, qui notre bête devait apparaître sur terre. Qui notre bête devait apparaître sur cette terre. Et cette autre bête-là, c'est la puissance Vatican. Amen. Et Dieu bénisse. Ah, ça, ce sont les écritures. C'est l'écriture de Dieu. Ça, ce sont les écritures. Tu ne sauras pas enlever cela. Et comme ils ont présenté comme des rois. Et comme cela est présenté comme étant des rois. Des rois,
tiaka bango na écriture comme montagne. Et les rois sont aussi considérés dans les écritures comme étant des montagnes. Même lorsqu'on parle des 10 cornes, Otali à partir du verset 12, quand tu liras à partir du verset 12, ce sont aussi des rois. On considère cela comme étant des rois. Mon problème est Zani. Quel est mon problème? Il faut que nous sachions roi est à l'issaka montagne. Que le roi parle de la montagne. Roi est à l'issaka ne le béni moussousso et tout est tombé mi makasi tout. Parle aussi, le roi parle aussi d'une tour qui est vraiment hautement élevée. Maintenant, na kati le béni ou enseignement tozana yango. Dans le langage de l'enseignement dont nous avons, tozo remarquer d'abord. Nous remarquons d'abord que ma prophétie déjà et l'obaki makambu est belé par la grâce de Dieu. Que les prophéties avaient déjà prédites beaucoup de choses. Nali kambu oyo ezotali sa oyo ezali élevé. De la situation qui concerne ce qui est élevé. Donc elemboneti roi. Des signes comme du roi par exemple. Donc tango dragozo bundisa mwasi. Donc lorsque les dragons combattent la femme, donc il vient combattre la femme avec des têtes et des cornes. Et têtes na ba cornes, ce sont des rois. Les têtes là et des cornes en réalité sont des rois. Maintenant nous connaissons dans les écritures saintes. D'après psaume 2, tout en qui en la semaine, verset 1er, dit la deuxième. D'après psaume chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au 2e, nous voyons la semaine. Qui disait que pourquoi se tumulte parmi les nations sur la terre? Et le dit les rois des nations. Qui dit que les rois des nations ils se sont soulevés contre loin de Dieu. Se sont élevés contre celui que tu as établi. Mais n'attends pas la réalité d'accomplissement écriture. Alors, lorsque nous venons voir maintenant la réalité de l'accomplissement de cette écriture, Totangi na acte 4, nous avions lu cela dans acte chapitre 4. Tomoni ba disciple bazo rappelé écriture en psaume 2e, Totangi en la semaine. Nous voyons comment les disciples évoquaient les versets de psaume chapitre 2e. Maintenant, na katia roi. Des nations. Maintenant, dans le roi des nations, et les nations, même les nations également, qui s'opposaient contre loin, Atangi, Ponce Pilate et Hérode, ils ont fait la lecture des Ponce Pilate même et d'Hérode. Ils ne se sont pas limités là-bas comme signe pour roi. Après, Atangi aussi des principaux sacrificateurs. Puis, ils ont fait aussi la lecture des principaux sacrificateurs. Baza aussi na kata verset wana roi. Qui se trouve aussi dans ces versets là qui parlent de roi. Atangi aussi les nations. Ils ont parlé aussi des nations. Baza toujours na kata verset wana ya roi et les puissantes nations où ils ont côté les melalewan. Ils sont toujours dans les versets des puissantes nations et des rois qui s'opposent contre loin. L'écriture le vient dans 2 Corinthiens 5. L'écriture parle dans 2 Corinthiens chapitre 5. Les rois là c'est Christ. Que loin là c'est Christ. Mais Bible le bisou Christ pour la samananzoto. La Bible dit que si tu avais connu Christ d'après la chair, donc un fils oya botamaki na tribu de David, c'est-à-dire un fils qui est né dans la tribu de David, l'éloyaza selon la chair. Aujourd'hui il n'est plus selon la chair. Là au tali na 2 Corinthiens 5 verset 17 à 18. Là tu verras cela dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 18. Christ aujourd'hui Aza esprit. Donc aujourd'hui Christ c'est l'esprit. Jean 6 verset 63. C'est lui-même qui avait dit dans Jean chapitre 6 au verset 63. Les paroles que je vous ai dites. Amen. Sont esprit et vie. Amen. Ezande malobanayende ouin Christ otozana ele. Amen. Ce sont ces paroles qui sont comme loin les Christ que nous possédons aujourd'hui. Lenga lobi na Isaïe 66, na Isaïe 6, na Jean 6. Verset 63. Comme il est dit dans Jean chapitre 6 au verset 63e. Donc la parole yo ba Pierre va s'arrêter na yango. Donc la parole que possédait les Pierre. Ba mona ki ba adversaire na bango ba telemela ki bango. Ils avaient constaté les adversaires qui s'étaient opposés à eux. C'était des religieux. Ah. Ba to yo ba sakane ba sambi. C'était des religieux. Ba simba karulo. Qui
qui soutiennent, donc qui lisent écriture, qui lisent même les écritures, mais pas autre mais là-bas Paul, ma Pierre plutôt. C'est pendant qu'ils s'opposaient aux pierres. Vous savez très bien. Nous avions lu le verset 1er de Actes chapitre 4. Nous avions vu que l'on parlait des pharisiens. Les sacrificateurs et aussi les sadducéens. Les sacrificateurs ainsi que même les sadducéens. Bangonde va s'opposer qu'un enseignement. Ce sont ceux-là qui s'étaient opposés à l'enseignement que Jean et Jacques prêchaient. Donc, ceux-là, les religieux qui s'opposaient à l'enseignement de Pierre et Jean, ce sont comme étant des chevaux blancs. Comme étant des chevaux blancs. Donc, bazaneti cavaliers. Donc, ils sont comme des cavaliers. Oyoyo. Bazo travaille neti, baza bembe, meza lukuta. Ceux-là qui travaillent avec la couleur blanche, mais c'est juste le mensonge. La vraie couleur blanche, c'est la justice, la parole de la vérité. Amen. Oui, zalaki na maboko ba Pierre. Cette parole qui se trouve entre les mains de Pierre. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, bakutaki na adversité, ba telemela ki ba. Ils s'étaient donc rencontrés avec l'adversité et s'étaient rencontrés avec cela. Mais Zambé déjà bongi sa ki yango. Dieu avait déjà prévu cela. Pascal Obaki, car il avait dit dans son langage que le faux Christ bakoya. Qu'il viendra de faux Christ. Là, tu peux ça qui Matthieu 24, verset 4. Et là, nous avions donné Matthieu chapitre 24, au verset 4. Donc, le faux ouin. Que le faux oint. Et total à qui coindre. Et nous avions parlé de l'onction. De l'onction. L'onction d'abord, il y a un moment où il y a une couronne. Que l'onction en soi parle de la couronne. Tant que total à qui dans Lévitique 21. Lorsqu'on avait lu dans Lévitique chapitre 21. Verset 12. Au verset 12. Mon ami que la couronne, c'est l'onction. On avait vu là-bas que la couronne c'était l'onction. Yango to défini ça qui écriture. Voilà pourquoi nous avions défini l'écriture. Comme Jésus à l'obéli na verset 4. Comme Jésus avait parlé au verset 4. Y a Matthieu 24. De Matthieu chapitre 24. À l'obéli que ba faux Christ va koya. Il disait que le faux Christ viendront. Christ veut dire ouin. Christ veut dire ouin. Ba faux ouin. C'est-à-dire le faux ouin. C'est la veut dire na ngambo na bango aussi ba oy ba kozala couronné pour un travail faux baza. Donc, ça veut dire que de leur côté, il faut qu'il y ait aussi des gens qui seront couronnés. Mais quelle façon Makambo est-elle classée? Comment est-ce que les choses sont classées? Jésus-Christ a dit dans Luc 17. Jésus parlait dans Luc chapitre 17. Dans verset 26. Au verset 26. Dans autant en accompagnant à Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Luc 17, verset 26. Luc 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé. Oyo ekomaka na tango na Noé. Arrivera de même au jour du fils de l'homme. Ekokoma pe na mokolo na mwana na moto. En réalité, cette écriture, ma doctrine est belle et bébisi yango. Cette écriture, beaucoup de doctrines l'ont détruite. Parce que bazo boya otala la loi de Dieu. Tout simplement qu'elle refuse de regarder la loi de Dieu. Mais ce qu'otali la loi de Dieu. Pour comprendre bien les écritures saintes. Mais si tu regardais bien la loi de Dieu, tu comprendras clairement les écritures saintes. Cette écriture, il y a Luc 17. Cette écriture de Luc 17. Et l'obélie au jour, et ça n'a plus rien. Parle des jours au pluriel. Et qu'on est belé, fils de l'homme. C'est-à-dire au jour du fils de l'homme. Il faut d'abord le cas fils de l'homme. Veut dire quoi? Tu as la nécessité de regarder que veut dire fils de l'homme. C'est pas dire que quelqu'un avait un songe et a remarqué une lumière est apparue directement et la personne définit que c'est ça le fils de l'homme. Tant tozotanga livre à Jean chapitre 5 verset 27. Lorsque nous lisons le livre de Jean chapitre 5 au verset 27. Livre à Jean 5. Verset 27. Le livre de Jean, chapitre 5, le verset 27. L'écriture est sur le service. L'écriture nous parle ceci.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Awa, tout une définition fils de l'homme. C'est là que nous venons de prendre la définition de fils de l'homme. Tu veux dire tout simplement les juges. Donc, tant qu'on est au sang, il faut être fils de l'homme. C'est-à-dire, quand il vient juger les péchés, il doit être fils de l'homme. Là, tout en Romains 8, verset 1er, tiens, verset 3e. Et là, nous lisons Romains chapitre 8, au verset 1er jusqu'au verset 3e. Il y a beaucoup remarqué Jésus-Christ, quand il y a un temps, 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 il y a un temps. Voilà pourquoi vous remarquerez que lorsque Christ marchait, il ne disait jamais que. Lorsque le Fils de Dieu mourra, non. C'est langage là dans la bouche de Jésus. Le Fils de l'homme a confondu. Il disait toujours que lorsque le Fils de l'homme mourra. Pourquoi Jésus-Christ a voilà pourquoi nous regardons pourquoi Jésus-Christ parlait de cette sorte-là. Romains chapitre 8e, avec ses premiers et 3e. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. En effet, c'est ça. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés. C'est un jugement. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est ça, fils de l'homme. C'est ce qui veut dire fils de l'homme. Donc, Ponzamba a jugé. Parce que Dieu avait jugé. A utilisé son fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a utilisé son fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est pourquoi le Seigneur a dit c'est pourquoi le Seigneur disait toujours que lorsque le fils de l'homme mourait, il n'a jamais dit que lorsque le fils de Dieu mourait. Non. Quand il parlait ainsi, c'était juste vouloir dire que le travail qu'il est venu effectuer, c'était pour juger les péchés. Et Romains 8 de tout confirmer, bisou. C'est Romains chapitre 8 qui nous confirme cela. Maintenant, dans l'église aussi. Vie à l'église, depuis ma pierre va bandit. La vie de l'église, depuis que les pierres ont commencé. Acte 2. À partir des actes 2. Jusqu'à ce que nous marchions. Na bonzo tobo yeto kweisama. Dans la chair comme ça, nous tombons. Na lolenge moko tomosus. D'une ou d'une autre manière. Bible le déjà parfait. La Bible dit que si tu ne pêches, tu ne bronches plus, tu as déjà atteint la perfection. C'est Jacques chapitre 3e. Amen. Donc, mal ego comme là. C'est qu'un mal peut arriver. Mais il faut un juge à juger un bopé à libérer un. Mais il faut qu'il y ait un juge qui te juge afin de te libérer de cela. C'est toujours fils de l'homme. Et il joue toujours le rôle du fils de l'homme. Que Dieu bénisse. Amen. Yango toujours remarqué dans 1 Corinthiens 11. C'est ce que nous remarquons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et verset 32e. Oui. 1 Corinthiens 11, verset 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand nous sommes jugés, si quoi. Nous sommes châtiés par le Seigneur. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.
Awa Paul azotali sa église. Ici Paul nous fait voir l'église. Que l'éloge église aza jugé. Aujourd'hui l'église est jugée. Père Tali, si pourquoi l'église aza jugé l'élo? Et il montre la raison pour laquelle l'église est jugée aujourd'hui. Ezapo azana na perfection tant nzamba koya ko condamner le monde église akota na jugement wana te. C'est pour que l'église atteigne la perfection que lorsque Dieu viendra juger le monde afin que l'église ne rentre pas dans ses jugements. Or quand Dieu juge, il est fils de l'homme. Amen. Parce que dans notre écriture wana ya Luc 17 verset 26. Parce que je te montre l'écriture de Luc 17 au verset 26e. Et le temps à Noé, que qu'au temps de Noé, et Rosananet taille fils de l'homme sera semblable au temps du fils de l'homme. Taille fils de l'homme on est en 1956 et 57 t. Le temps du fils de l'homme n'est pas 1956 ou 57, non. Église, c'est tout le temps du parcours de l'église. Jésus est fils de l'homme, il juge l'église afin que l'église aille à la paix au point net. Amen. C'est le temps où le Christ juge l'église afin que l'église soit pure et soit enlevée. Yango nazu 1 Pierre 4. C'est pourquoi je prends 1 Pierre chapitre 4. Parce que total est déjà dans 1 Corinthiens 11, 32. Car nous venons de lire déjà dans 1 Corinthiens 11, le verset 32e. Et allez uniquement afin que tous à la préserver, tous à la condamner avec le monde des jugements en Église. C'est uniquement que nous soyons conservés purs afin de ne pas être jugés avec le monde. Aujourd'hui, livre à 1 Pierre chapitre 4. Tu prends le livre de 1 Pierre 4. Azosa la mention à le biboye. Il dit ceci. À partir du verset 17e. À partir du verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Poète Ezalitango oyo kosambisama esengeli kobanda kati na ndako na Nzambe. Or si c'est par nous qu'il commence, zokande soki na biso nde yango ebandi, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Boni boni ekozala suka ya bazali kotosa sango malamu na Nzambe te. Apôtre batalisaki que jugement est en église. Les apôtres ont prouvé que le jugement est d'abord dans l'église. Jugement wana ezali po kolo akomisa biso peto. Et ce jugement là est là pour que le Seigneur nous rende purs. Azo condamné œuvre nyonso ya mabe. Il condamne toute mauvaise œuvre. Azali ko châtier. Et il châtie même pour ramener mutu à la raison. Ramener la personne à la raison. Allah nous a conscience à bateau. Et éveiller la conscience des gens. Tous à la prêt pour l'enlèvement. Afin que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Un jugement favorable pour Nabissou. Amen. Ce jugement-là est favorable pour nous. Alors, il est fils de l'homme à l'église. En faisant tout cela, c'est alors qu'il est le fils de l'homme. Mais là, on va dire que. Oye kokoma na temps fils de l'homme. Mais là, il avait dit que ce qui arrivera au temps du fils de l'homme. Eza lokolo ezala ki na temps ya Noé. Cela sera semblable au temps de Noé. Maintenant na temps ya Noé soko tangi na Genèse 6. Maintenant au temps de Noé quand tu feras la lecture dans Genèse chapitre 6. Okomona ke bana na Nzambe basangana ki na ba fille des hommes. Tu verras que le fils de Dieu s'était uni avec les filles des hommes. Et puis babeta ki ba géant. Et avait reproduit les géants. Donc ezala ki na ba géant bazaki na tawana. Donc à ce temps-là, il y avait des géants. Oyoyo ba paraître. Ceux-là qui étaient apparus. Aux yeux encore na temps oyo Israël azako tambola na désert. Tu prends également le temps qu'Israël marchait dans le désert. Tango Moïse atindaki espion na Nombre 13 bakende terre promise. Lorsque Moïse avait envoyé les espions pour qu'ils partent espionner la terre dans Nombre chapitre 13. L'écriture les autorise biso aussi. L'écriture nous montre que aux verset 32e, 33e, il y a Nombre 13. Tu prends Nombre chapitre 13 le verset 32 à 33. Tant où les 10 espions bazako pesa rapport. Lorsque les 10 espions donnaient les rapports, nous avons vu les géants.
les fils d'Anak. Il disait que dans cette terre-là, nous avions vu des géants qui sont des fils d'Anak. Simba qui n'a l'air à Noé, il y avait les géants. Saisis d'abord qu'à l'ère de Noé, il y avait aussi des géants. Bao Baza si élevé, c'est comme une montagne, c'est comme une royauté. Ceux-là qui sont si haut élevés, ils sont comme la montagne, comme étant si la royauté. Et là, tant aussi Israël faut la terre. Autant aussi Israël devait posséder la terre. Et Zala qui n'a pas géant. Il y avait également des géants. Ma fils d'Anak. C'était des fils d'Anak. Ma Zala qui, trois. Ils étaient au nombre de trois. Donc, trois familles. Autrement dit, trois familles. Là, c'est aujourd'hui Josué 15, verset 14e à 15e. Là, quand tu prendras Josué chapitre 15, verset 14 à 15. Mais ce qu'on t'a dit, Josué 11. Mais quand tu observeras d'abord Josué chapitre 11, Otali nakata kotang à partir du verset 20, c'est le verset 22e. Et dans la lecture, quand tu verras le verset 20 au verset 22, quand Israël a continué un territoire, lorsqu'Israël avait pénétré dans son territoire, Josué a longaki trois fils d'Anak. Josué avait vaincu les trois fils d'Anak. A écrasé. Il les a vraiment exterminés. L'écriture le dit. L'écriture dit que ma fils d'Anak bazalaka li susuté. Que les fils d'Anak n'existaient plus. A longa ki bango nyos. Car Josué les avait tous vaincus. Maintenant, si ma victoire, Rwanda. Mais juste après cette victoire, Josué 15. Josué maintenant 15 vient. Caleb et Segelia sont m'appelés à Hébron. Et Caleb devait posséder la terre d'Hébron. Amoni encore ma fils d'Anak où Josué s'y allonga dans Josué 11. Il a remarqué également les fils d'Anak que Josué avait vaincu dans Josué chapitre 11. Mais ce qu'on tangue l'écriture. Et quand tu feras la lecture de cette écriture. Josué 15 à partir verset 14, dans 15, dans 16. Dans Josué chapitre 15 à partir verset 14 jusqu'au verset 16. Balobi, Caleb les chassa. Là-bas, il est fait mention que Caleb les avait chassés. Mais bon à Josué. Mais pour Josué. Josué les extermina. Il est écrit que Josué les extermina. Donc Josué a sinisé qui bango bazate. Donc Josué les avait exterminés complètement. Mais Caleb a eu mon bango lissous. Mais Caleb est venu le revoir encore. Puis il les a chassés. Le véritable Josué, c'est Jésus-Christ. Amen. À la croix, à Ekrasaki. Satan, les serpents et tous les démons. Alors, il avait écrasé Satan et tous les démons. C'est ça que Josué a exterminé. C'est ce qui veut dire que Josué avait exterminé. Il avait tout exterminé. Et l'iconie le dit dans Josué 11. Et l'écriture nous dit dans Josué chapitre 11. Verset 22. Au verset 22. Ba mona ki lisusu ba anak te. Qu'on n'avait plus remarqué des fils d'Anak. Mais lorsque Caleb est venu, dans Josué 15, dans Josué chapitre 15, verset 14 et 15, au Banak, Bangwana, les au verset 14 et 15, il y avait encore des Anakim. Là. Ah, Caleb maintenant a pingani. Maintenant, Caleb les a chassés. Nazoué, ils sont malades aux Anango, Kolo, assis, c'est qu'ils ont déjà les crous. Je t'ai dit que la maladie dont tu possèdes, Jésus avait mis fin cela à la croix. Même si tu observes, soit comme Caleb, a chassé qui. Qui avait chassé cela. La confiance que Josué a longue. Avec la confiance que Josué avait vaincu déjà. Donc, nous sommes aujourd'hui toujours chassés au nom de Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, nous chassons au nom de Jésus. Parce que Josué a si exterminé Nios. Car Josué avait déjà exterminé. Alors, qui tout est accompli. Donc, il avait dit tout est accompli. Tout est accompli. Quel que soit le problème, le lien avec vous. Quelle que soit la position du problème, manque Josué a si l'Isaïa. Quoi que Josué avait exterminé cela. Que Dieu bénisse. Amen. Mais c'était des puissantes nations. Amen. Azara qui si élevé. Ils étaient tellement élevés. Et tout le monde qui est continué en go lundi par la grâce de Dieu. Et nous voyons que nous continuerons cela le lundi par la grâce de Mais Dieu. Mais sache que tant que vous en cavalier na premier saut. Lorsque tu observes les cavaliers au premier saut, couronné. Qui est couronné, c'est être élevé au-dessus. Cela veut dire il est élevé vraiment au-dessus. Azana onction, il possède l'onction parce qu'azana arc, car il a aussi l'arc. Oh, ezali bouche, qui est la bouche. Oh, ezali sacrificature, qui est aussi la sacrificature. Oh, asala musala, afin d'effectuer le travail. Mais tout au long du temps, ma Pierre, ma Jacques, ezalaki ma pharisien. Mais tout au long des temps de Pierre et de Jacques, c'était juste des pharisiens. Et banezo bakisama. Et les années qui s'ajoutaient. Et Jean
ange a ébissé sur la femme prostituée. Et Jean, l'ange lui avait dit sur la femme prostituée. A présenté femme prostituée assise sur les eaux. Et l'ange lui avait présenté la femme qui était assise sur les eaux. Donc cette femme a comme une tour au-dessus de. Amen. Cette femme était comme une tour au-dessus de. Asa comme la royauté. Donc elle avait comme la royauté. Et cette femme, c'est la ville romaine. Et cette femme, c'est la ville romaine. Et nakati nango femme azalaki na masanga azo melisa mabele mobimba. Et en cela, la femme possédait une coupe de vin qu'elle faisait boire toute la terre. Azo melisa na ba fandi ya mabele. Elle faisait boire à tous les habitants de la terre. Or vin zaka enseignement. Et le vin parle de l'enseignement. Lokola balobeli vin. Comme on parle du vin, c'est que dans cette femme, c'est l'église, la fausse église. Donc, dans cette femme, il s'agit de la fausse église. Église Amabé. La mauvaise église. Et c'est catholique romain. Il s'agit des catholiques romaines. Oui, ça, la parole, il faut les prêcher calmement. C'est qu'il y a de la parole, on va parler de cela calmement. Donc, bon, ma parole, t'es on ne peut pas cacher la parole. Où est-ce que nous allons encore la prêcher? Nous la prêcherons devant les peuples de Dieu. Que la femme prostituée, c'est catholique romaine. Sache que cette femme prostituée, il s'agit des catholiques romains. Mais Jérémie 9, 3, il y a que baza puissant dans les pays, dans le mensonge. Amen. Jérémie chapitre 9, le verset 3 dit que ils sont puissants par les mensonges. Baza élevé dans la terre, mais par des mensonges. Ils sont élevés sur la terre au travers les mensonges. Mais il y a une église aux hommes qui est un mensonge. C'est toi l'église qui voit en réalité que cela est un mensonge. Yoko boit que vérité te po bango bazo na mensonge na bango a menacé. Toi tu ne rejetteras pas la vérité parce qu'ils viennent avec les mensonges même s'ils te menacent. Parce que Jésus avait dit dans Matthieu 10 verset 28. Car Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 28. Kobanga te wazo bo manzoto. Amen. Ne crains pas celui qui peut tuer la chair. Banga oya kobo manzoto pe moli moati ya ona jaen. Plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps jeté même dans la gêne. Dans Matthieu 10, verset 28. C'est dans Matthieu chapitre 10, au verset 28. Quand tu présentes la parole, il faut présenter la parole de guerre. Encore, quand il y a l'occasion de présenter la parole, présente cela de la manière dont. Parce que on va présenter qui parole, on va être persécuté par le monde. Car ceux-là qui ont présenté la parole ont été persécutés par le monde. Bonjour, qui m'a persécuté, pourquoi? Pourquoi tu fuis la persécution? Prêche la parole. Amen. On va en alliance avec ta fausseté. Mais pour même sa vérité, tu seras en alliance avec des gens qui prêchent la fausseté pour détruire la vérité. Élève la parole. Amen. Où est-ce la parole de la vérité? Il faut qu'on l'obéisse. Ce qui est la parole de la vérité, il faut en parler. Un peuple est tombé là-bas, idole. Le babi keko. Le peuple qui élève les idoles, ils ont déjà un peuple abominable. C'est l'abomination. Ce peuple est déjà un peuple abominable. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. On ne dit pas que tu élèves une statuette afin de l'adorer. La foi est une espérance aux choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Non, il ne faut pas croire cela comme ça. Et tu mets des statuettes. Et toutes ces doctrines sont sataniques. Et toutes ces doctrines sont sataniques. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu a gardé yo à salé la yobola. Dieu te garde et te fasse. Zambé a fongolé la yoba nzela kitoko. Il ouvre des bonnes portes. Kolo alongisa yo na bitumba nyos. Accorde la victoire dans tous les combats. Lomboko na ye fongola banzela nyos a kitoko pona yo. Amen. Ouvre des bonnes portes. Et si ka okweya ki a telemisa yo na kombo na yesu. Là que Dieu était tombé qui te relève. Il a keli ma bé. Et bon, moi, ma yamala, mon akombo na es. Ah, les paroles de malédiction changent en bénédiction. Et si kabakana ki liwa bonayo, mikolwe makisam. Là, on avait déclaré la mort, ok. Les bonnes choses s'ajoutent là. Place bakana ki yo zinda, matali sus. On avait déclaré que tu vas t'engloutir. Monte encore. Ma bongisia ma maladie et le guani bosso na yo au nom de Jésus. Que les maladies soient ôtées devant toi au nom de Jésus. Pique la guérison, délivrance. Obtiens la guérison et la délivrance. Obtiens la restauration à vie. La restauration dans ta vie. Tout est l'ennemi pour ton sang, mais la moquer. Tenons-nous debout pour prier après.
Oui, tu glorifieras le nom de Jésus-Christ. Lui dire que Dieu donne-moi toujours le discernement. Que je sache comment discerner ce qui est bon. Garde-moi dans ton nom. Fais-moi du bien. Et que tous les plans de l'ennemi soient révélés comme ça. Prions les dieux. Prie Dieu. Vous allez me battre, mon Seigneur. Yonde et qui me l'a solo. Lisez quoi mon exemple. Pesangata mon yon so bosso solinayo. Fungola banzela pour la gloire de ton Seigneur. Kambanga ina pike la poli na yo Seigneur. Kambanga ina mona pola mona yo roche. Talisa minene na yo puissant. Droite na yo puissant, ton Dieu est sale. Grâce na yo zambé magnifique et se manifeste. Gloire na yo corona kembo et talisa manaya. Autorité na yo zambé changer ma camp. Le boko na yo puissant et kangola. Le boko na yo puissant et sikola. Kimia na yo ezo et sika na bitema na mako na mako. Grâce na yo mon roi. Le Dieu de toute éternité talisa manayango. O s'élever na puissance na yo. Lève-toi dans ta puissance. Yoka no sambo ya sœur, ya frère. Écoute la prière du frère et de la sœur. Yoka nini azali kose. Écoute ce qu'elle demande. Na ordonné azo solution au nom de Jésus-Christ. Ordonne qu'elle obtienne la solution au nom de Jésus-Christ. Amona makambo ko bongwa madan sa vie au nom de Jésus-Christ. Vois les changements de ces choses dans sa vie. Ta main puissante et salamo salaza. Que ta main puissante agisse. Manifeste-toi, Seigneur. Amen. Ou agis au salanayo. Agis et fais tes œuvres, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nassambéli boye. Je viens ici de prier. Amen. Amen. Kimia yankolo et zarana moko na moko. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous. Zambé à salanayo boula. Que Dieu te fasse du bien. Nandibisami ke nangolo na zambé. Lundi, ce qui zamba pesi biso mokolo. Je crois que lundi, si le Seigneur nous accordait la journée, toko clôturé maintenant première saut bien dingi toujours tambola par la grâce de Dieu. Nous allons bien maintenant clôturer le premier saut comme nous marchons par la grâce. Et toujours pays ça aussi Nzambe merci. Nous remercions le Seigneur parce que frère Jonas akendeki na matanga mais nangolo na Nzambe azongi azana kati na biso. Car le frère Jonas qui était parti au funérailles, il est déjà de retour, il est au milieu de nous parler. Et tolobi karibou. Et nous lui disons Azonga malam on a combo na Jésus-Christ na musala na ye. Nous lui disons bienvenue qu'il doit retourner à son port. Et kimia ya kolo isala na bino nyonso. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Je vous aime tant au nom de Jésus-Christ. Ah.